chasse son papier. On jette des miettes au premier. Juste histoire de gagner. Qui s'en comporte pas comme il est. On peut se dire de vous soucier. Si vous commencez à corriger, plus riche et plus puissant. Y'a pas d'hiver, ça peut être. C'est-à-dire que l'idée du slogan, c'est reconnaître qu'il faut apprendre à partager la nature, évidemment, mais aussi l'espace, le travail, et puis pourquoi pas aussi l'intelligence humaine. À l'échelle des régions, des conseils régionaux, ça pourrait donner aussi le besoin de reconnaître les territoires, et en particulier les territoires ruraux. Vous l'aurez compris, comme un certain nombre d'entre vous, je suis du milieu rural. Et c'est pas grave, ça va bien. J'ai lu un petit peu, je suis enseignant en développement local, j'ai lu un petit peu les scénarios, la prospective de la data. À en croire un peu les scénarios de la data, le milieu rural pourrait osciller entre quatre grandes possibilités. La première, ça serait un rural au service de l'extension urbaine, au service des villes qui s'étalent, et puis bah, finalement les villages deviennent des villages dortoirs. Je ne suis pas certain que ce soit le projet écolo. La deuxième option, ça serait des territoires qui sont connectés à la métropole et qui sont surtout une économie résidentielle. Donc là, on aurait des gens là aussi dans une logique dortoir, avec seulement une économie de services tournée vers des pratiques urbaines. Le troisième, ça serait un milieu rural complètement dépeuplé, et qui serait simplement devenu un lieu de production au service d'une ville qui se verticalise. Là aussi, les enjeux écologiques pourraient très bien faire qu'on arrive à ça. Et enfin, il y a un dernier scénario, qui serait un milieu rural qui existe tout simplement, avec un maillage fort entre différentes petites villes, petits villages, et qui serait effectivement entre des grandes métropoles. Et je pense que c'est ce scénario-là que les élus écologistes, et en particulier les élus écologistes au Conseil régional, doivent absolument porter. J'aime bien reprendre la maxime des spécialistes du développement local québécois, c'est qu'il n'y a pas de territoire pauvre, il y a des territoires sans projet. Et il faut que la région, tout simplement, les élus régionaux, portent des projets, aident à porter des projets sur le territoire. L'enjeu, ça va être de vivre, travailler, décider au pays, comme le disent les militants alternatifs de zones de combat, des zones de lutte. Ça se traduit comment dans une politique régionale écologiste? Ça se traduit par le maintien des services de base, évidemment, santé, éducation, commerce. On l'a abordé sur l'alimentation, mais l'idée, ça sera d'avoir des contrats de territoire, ils sont déjà engagés, il y a déjà eu énormément de choses de fait. Évidemment, l'autre volet important, ça passe par la mobilité hors voiture, évidemment. Michel Parrier a fait une intervention hier magistrale à Luçon pour montrer comment, effectivement, sur les politiques de transport, si Michel, c'était très bien, on peut améliorer la situation. Donc ça passe, tu l'as dit tout à l'heure, Franck, par des chronobus ruraux qui mettraient chaque Ligérien à moins de 5 km. D'un chronobus, d'un bus à haut niveau de service. Ça peut passer par le retour ou l'augmentation du nombre de TER sur le territoire euro, et on a vu hier aussi dans le Sud-Vendée qu'il y a énormément de boulot. Mais c'est aussi surtout, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans l'analyse écologiste, faire en sorte que dans le territoire rural, on puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivre, qu'on puisse avoir des emplois, qu'on puisse développer une économie qui soit une économie propre au territoire. Et je pense que c'est là que ça prend tout son sens, les contrats de territoire, que ça prend tout son sens, le mot aménagement du territoire. Il ne faut pas juste penser sectoriel, il faut penser global, il faut penser dynamique dans l'ensemble de l'économie. Je pense que c'est ça qu'on met au cœur de la relocalisation de l'économie, c'est ça, quand on parle de circuit court, quand on parle de monnaie locale, quand on parle d'emploi dans les nouveaux secteurs, c'est de ça qu'on parle. Tous ces changements-là, ils sont en cours grâce aux écolos, grâce au mandat passé, et il faudra non seulement les poursuivre, mais il faudra aussi les accentuer. Alors avec l'énergie qui est là, mais aussi avec la liste qui est là, la liste qui est menée aujourd'hui par Sophie Moigny. Et je terminerai juste par une citation de John Maynard Keynes, qui est un économiste anglais que j'aime bien. La difficulté, c'est pas de comprendre les idées nouvelles, la difficulté, c'est d'échapper aux idées anciennes. Je pense que c'est ça le fond du cœur du projet. Thank you.